On est la boulangerie-pâtisserie Mickaël Morieux. On est un couple avec différents ouvriers, aussi bien la pâtisserie, de la boulangerie, une partie snacking, restauration du midi, mais on fait tout nous-mêmes, de A à Z. Alors moi, je suis plus un homme de farine, ça c'est sûr, ça c'est adéquat. Ma femme s'occupe de plus la partie, on va dire, pâtisserie. Et j'élabore vraiment des arômes qui se trouvent à l'intérieur des farines, avec des produits, des levains naturels, avec des torréfactions des graines, avec des longues, longues fermentations, ce qui permet une digestion et un arôme bien particulier. Mais la clientèle est à l'image peut-être de l'entreprise. Je veux dire simple, sans se prendre la tête, on aime les bonnes choses, mais avec toute simplicité, mais avec une rigueur. Arriver à l'excellence, c'est autre chose que le métier, c'est commenter avec les autres. Il faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est ça, je trouve, la clé aussi. Et je pense qu'il faut s'adapter tout le temps. Celui qui va réussir, ce n'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui s'adapte. Entrepreneur, l'avantage, c'est que le conseil va avec le monde de l'entreprise, dans le sens où si vous ne faites que de conseils et si vous n'avez pas une entreprise, c'est plus compliqué. Vous êtes peut-être moins crédible aussi, hein, au niveau des gens. Là, j'ai une entreprise, ça fait 20 ans. Elle fonctionne bien, on a des bonnes marges, on fait attention à tout, voilà. Tu fais du conseil, donc tu as la réalité de tous les jours. Les problèmes, on les a tous. On fait attention encore plus à tout. Donc, quand j'arrive avec du conseil, mon entreprise me permet aussi de développer et d'entreprendre dans ce domaine-là aussi.